Hello les amis, Mitra Pneuma de Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour deviner quoi ? Un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Je suis sur une map assez gigantesque, j'estime être Lefteria, à tort ou à raison, mais pour moi c'est Lefteria. Et donc là je suis arrivée dans une grotte où il y a pas mal d'araignées. Face à moi, il y avait un unique, et je sais pas du tout par où passer, donc je me dis que cette grotte empoisonnée... Oh, toutes ces araignées... Je leur ferai pas de mal, hein, mais... Alors, bon, pour ceux qui se demandaient si par rapport à avant, c'est-à-dire, vous vous souvenez, ces moments très agréables où vos coéquipiers vont se foutre dans le poison... a changé, comme vous pouvez le constater, pas une seconde, ça n'a pas changé. Ils ont toujours se foutre dans le poison. Après ça va, c'est pas un unique, hein. 59, ça passe. Voilà. Allez. Tu m'étonnes. Alors ils perdent beaucoup, hein, quand ils vont se foutre là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Go. Bah, comme toujours, hein, on se met là où on peut pour récupérer des PV. Et on avance. C'est cool, on dirait une lotte. Oh la vache. Je me souviens plus si j'en ai buté. Tué. Oh, ils vont faire quand même. Je répète, toujours aller tuer des mobs que vous rencontrez qui sont nouveaux parce que vous en aurez besoin à un moment ou à un autre. Autre conseil, allez régulièrement. Vérifiez vos classes, voir si vous n'êtes pas à niveau 10 sur une classe, parce que il l'annonce pas à l'écran, ou alors je l'ai pas vu, ça doit être en petit quelque part, et si vous faites des combats en étant niveau 10, ben c'est une perte de temps pour une classe que vous pourriez, une autre classe que vous pourriez maîtriser. Ah, je vais pas lui faire ça, il est fini. Je remonte la map en fait. Tadam! Ce truc de dingue! C'est insane. Franchement, je vais pas m'amuser à tout l'ouvrir. Hein. Parce qu'en New Game Plus, ça reste pas de toute façon. Pourquoi ils veulent pas monter? Pourquoi ils veulent pas monter là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et pourquoi il n'arrive pas à monter ça? Bref, pas grave, hein. Enfin, pour moi, c'est clairement Lefteria. Hein. Ouais, les plages, les îlots, c'est Lefteria, quoi.
Mais comme pour Uraya, que s'est-il passé? Que s'est-il passé, mon sang? Pareil, les Lefteria, c'était super beau. Bon, il en reste des vestiges, on va dire, mais. Je sais pas ce qu'un Godric vient foutre à Lefteria. Anyway. Alors, où est-ce qu'on arrive? Is that? That monster just dropped some coral, didn't it? Whoa! Got a rare doodah right here. C'est très difficile là pour le coup de se repérer. Pour l'instant, je dirais que c'est la map la plus complexe. Parce que c'est constitué de pas mal d'îlots. Il faut prendre le bateau, blablabla, qui est vraiment très difficile à manipuler, à naviguer. Voilà. Le témoin, c'est lui qui m'a agressé. Hein. Je voulais rien du tout, moi. C'est fou. L'Eftéria a été bien dégommée. Hein. Ouais, quand ils ont les points d'exclamation, c'est parce qu'ils droppent des choses. Moi je les ai juste vu dropper des choses. Mais j'avais entendu qu'ils pouvaient faire pop un monstre rare. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi? Allez. The
J'aggro, hein. Sans le vouloir, mais j'aggro. En même temps, il faut que je me batte. Hein. J'ai plusieurs de mes persos que j'ai changé de classe, donc ils sont niveau 1 dans leur nouvelle classe. Punaise, je les ai tous aggro. Ça, c'est pas... Oh non, les autres ça s'en foutent. Là j'ai ouvert. Well, lucky devils. An ether channel. Should we fill up? Give me some of that sweet ether. Ah, finalement j'avais oublié que j'étais déjà à 99. Ah, vente automatique. Ah ouais, mais attention, ces plantes là, elles attaquent tout le temps. Peu importe leur niveau. J'ai envie de... Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont chiantes ces plantes. À te poursuivre. Ok buddy, surprise me. Ah, c'est un unique ça. Niveau 60. Bon. Et en plus, eux, ils te mettent vraiment pas mal d'handicap. Donc, on va voir. Ah, putain, j'ai aggro des méduses. J'enlève pas grand chose, hein.
bon. On lance un enchaînement, hein. Ah, c'est pas vrai, ça m'a retiré les méduses là. Oh. Reversal end!
Voilà, c'est fait. Encore à Groot là. Hein. Putain, se faire crever par tuer un unique et se faire buter par des méduses à côté, c'est énervant, mais bien comme il faut. Hein. Bon, ça va que du coup, comme j'ai buté l'unique, je repop là, quoi, mais. Je sais pas, j'étais déconcentrée, j'ai pas vu. Je voulais chercher ce que ça avait loot. Et résultat, j'ai pas vu que mes compagnons étaient encore en train de se faire attaquer par les Méduses. Alors, il y a toujours. Est-ce que le prochain don de classe serait pas un truc en mode l'équipement Zora de Breath of the Wild pour remonter les cascades? Parce que je vois souvent des cascades. Qui servent à rien, y a rien. Ça permettrait pas de remonter, je sais pas, voyez en haut là les. Ça où on pouvait passer dans le 2. Je sais pas. Je suis où sur la map? Cette map de psychopathe. Il y a tellement à faire que je sais même pas par où aller. We've been spotted. Ah, lâche-moi, t'as. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Encore ce truc là où il faut prendre parti entre. Moi je prends toujours parti pour ceux qui ont des doublons au pont. Parce que ça m'intéresse tout simplement. Parce que de vous à moi, entre le Godrill et le Mora Mora là, franchement, moi j'ai pas de parti pris hein. Je sais pas pourquoi ils se battent. Oui, voilà. Bon. Donc je disais. Alors là, il y a des. Il y a des trucs pour descendre. Du coup, par là-bas. Cette map de fou furieux. Thank you.
Y'a rien par là? Ouais, je sais, normalement il faudrait que. Mais ils sont tellement mignons! Je devrais les. En tuer quelques-uns. Est-ce que je vais enfin réussir à descendre sans me... Ouais, ça va. Attends, c'est pas hyper haut. Par contre, je répète, cette map, elle est vraiment... très très grande. Hein. Bah, au-delà d'être grande, en fait, elle est difficile parce que... il faut utiliser le bateau qui se manie pas facilement. Mais alors, pas du tout même. C'est une nouvelle fonctionnalité à laquelle moi j'adhère pas. Je préférerais aller plus vite. Ah, justement, je me demande si c'est pas l'unique que j'avais spot d'en haut. Et. Viens par ici, toi. Allez, il m'énerve d'aller pas magro l'unique là. J'aimerais me débarrasser d'abord. Je pense que ça me refasse le coup des espèces de méduses là. Des flambuses. Voilà. J'ai vu un truc. On va voir. Non, toujours 9, 5, 9, 3. Bon, non, toujours pas. Pas loin, mais pas encore. Eh bien, ici, petit. Allez, un autre unique. Je pense que c'est celui que j'avais vu d'en haut. Je ne cache pas que j'avais l'espoir de trouver un héros. Bah, j'espère trouver un héros à l'Efteria. Vu la map. J'ai lu que pas mal de joueurs étaient contents du fait que Xenoblade Chronicles 3 est plus facile à jouer en mode portable que le 2. Moi, je vous avoue que le mode nomade, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je joue que sans docker, donc. Après, moi, je trouve quand même que la Switch montre clairement ses limites. Hein, pour un jeu de cette envergure, ses limites, quoi.
Ah, mince, j'ai pas réactivé Monica. Ah. Bien, pas mal. J'ai de la chance là, pour une fois. Je ne sais pas si vous avez vu, Mio a été annoncé par Good Smile Company comme figurine. Moi, franchement, j'aurais pensé peut-être plus qu'ils allaient mettre les Ouroboros. Ils sont plus sympas, je pense. Design. Moi je préférais, je sais pas pour vous, je préférais quand même le, lorsqu'on pouvait tous réanimer, quand on pouvait tous réanimer les alliés, si tant est qu'on ait la jauge pour quoi, mais je préférais, parce que là du coup ça oblige à vérifier qu'on a bien un soigneur qui est pas en nombre gros, enfin bref. Voilà. Bonne chose de fête. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir par ici? Alors, il convient celui-là? 63. Dis-vous que je vois la galère pour faire les 60 déjà. Je vais rechecker cette gigantesque map. Ah, là il y a...
que je reviendrai pas. Je vois, en fait, j'arrive pas à me focus sur un truc. Je vois des points d'interrogation partout. Je vois la map qui est pas ouverte. Je vois un point d'exclamation là. J'arrive pas à me focus sur un truc. Bon, je vais le tenter. 63. Bon. Pourquoi je me lance un soin? Cruche. Justement, bonne chance. En plus, je suis pas ultra concentrée aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Faut dire que je joue beaucoup. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de rêver que vous êtes en train de jouer. C'est quoi? Quand on joue vraiment beaucoup. Quand on dort, on rêve qu'on est en train de jouer. Je me vois avec la manette à la main. Ça, c'est un moyen qu'a trouvé mon corps de me dire lâche un peu la manette. Sinon, prochaine étape, c'est la tendinite. Véridique, j'ai déjà eu des tendinites en jouant à Xenoblade Chronicles. Hein. Pas celui-là, mais le 1 et le 2. Énorme que là on dit, je pense qu'ils sont vraiment inspirés de la lotte. Je me concentre un peu lors des enchaînements. Hein. Je fais n'importe quoi. Aller à 150. Hein. Super, moi, réactif qu'un.
j'aime bien en plus cet effet, cette bah, cinématique, ce passage quand ils attaquent tous ensemble. Ouais, là je me suis un peu plus concentré là sur l'enchaînement. Tout à l'heure c'était n'importe quoi. Voilà. Bon, deux uniques en très peu de temps. Ça va sûrement m'être utile, hein, tous ces loots. Je vais me TP ou... Ça nage pas vite. Je crois que j'adore me TP. Alors... Allez, tombe. Voilà. It shouldn't have fallen far. Let's try looking. Je vous raconte pas comment je suis une quiche pour piloter ce machin. Par là, non? Pas du tout. Je voulais aller là. C'est pas du tout. Dis tout. Oh. C'est par là. Ah, d'accord. Ok. Bah oui, mais écoute, bon, là, il y a l'unique qui va m'attaquer. Non? Si? Non? Est-ce qu'on peut monter? Enfin... Ah, par là. C'est un peu comme si t'étais dans un bateau et que... dans les dents de la mer et que tu te décides à sauter au milieu des requins, un énorme bestiole. Il me faudrait un plus gros bateau. Ah, j'ai cru qu'on pouvait rentrer, on pouvait passer là, mais en fait pas du tout. Donc si on peut pas passer par là, j'ai pas vu d'entrée moi. J'ai pas vu d'entrée. Est-ce que c'est un truc, encore une capacité qu'on va développer plus tard? Par là. Oh merde. Pardon. Brasier.
pense pas qu'on peut bien rentrer par là parce qu'il nage à une vitesse fulgurante. C'est bien là, hein? Ouais, c'est bien là. D'habitude, on joue à deux. Enfin, je joue beaucoup plus que mon copain, mais on joue à deux. Donc, ça fait que des fois, quand j'ai des petits coups de mou, par exemple, là, à ouvrir la map, tout ça, donc il prend le relais. Mais là, il me laisse jouer toute seule. En même temps, le pauvre, il a pas mon niveau non plus. Donc. Et en plus, on n'a pas du tout le même avis sur le classement des Xenoblade Chronicles. Donc, ni sur les Zelda, ni sur... encore que sur les Final Fantasy, je pense que si, on est d'accord. Pokémon aussi. Après, lui est plus fan de Resident Evil et... D'ailleurs, il m'a obligé à jouer à The Quarry, si on peut dire. Et ben, je préfère Xenoblade Chronicles 3, les amis. Allez, un feu de camp. Je sais pas s'il y a des trucs. Je me souviens même plus si je dois faire le point sur des choses. Ouais, donc ça. About that thing. Ah, ok. Bon. Mais c'est pas ce que je voulais. I'm starving. Got anything I can eat? Alors, monter de niveau. Est-ce qu'on peut monter de niveau? On peut monter de niveau. I definitely feel stronger. Attends, je vais aller checker encore les classes parce que j'en avais quelques-uns qui étaient neufs. Donc peut-être qu'avec l'unique, les gemmes également. Avec des matériaux. Pretty good, right? Come on, I wanna use it quick. Right, all done. Come on, I wanna use it quick. Pas mal. Pretty good, right? Come on, I wanna use it quick. Right, all done. Come on, I wanna use it quick. Bon. I should do it, you think? I'm all refreshed and ready to take on the world. Alors. Oui. Observe la baie. C'est bien. C'était donc ça là. Ah, c'est donc ça. Ok. Bon, la vérité, j'ai vraiment, vraiment envie d'aller... aller voir un peu tous ces points d'interrogation, mais vous avez vu le bateau, hein, c'est une horreur à naviguer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer tant bien que mal jusqu'au point d'interrogation et je vous montrerai ce dont il s'agit dans une prochaine vidéo. Je vous remercie très sincèrement d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.